Hello. Hi guys. What's your name? My name is Michael. Okay. So I came here with my dog Laika. So this is Laika. I came here see you. So Joseph and Gunn and Dexy. So I had some problems with my dog. Not big problems, but you know, sometimes when you have a baby dog is not easy to give the good education. Laika, oh, what are you doing, Laika? What's this? She understand French, English, Portuguese, Spanish. She understand all the languages. Bienvenue à la méthode Gunn. Alors dis-nous un petit peu pourquoi tu es venu en région parisienne. Bah écoute, moi j'ai pris contact avec toi et je suis venu te voir parce que j'ai quelques soucis. Bon, rien à voir avec l'agressivité, pas du tout. Mais voilà, ma petite Laika en fait, elle saute sur les gens, elle continue à mordiller, elle s'arrête pas de mordiller. Elle chouine beaucoup, par exemple sur les trajets de voiture ça devient vraiment vraiment compliqué et fatigant et usant. Malgré la patience que je peux avoir, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais rassasiée et est toujours dans un jeu, mais qui n'est pas contrôlé en fait. Il va y avoir des enfants qui vont passer, bah, elle va aller sur eux. Il va y avoir des personnes bah, qui vont peut-être avoir peur des chiens. Bah, elle va arriver avec les grosses patounes alors qu'elle n'est pas agressive. C'est vraiment, elle a envie de jouer. Mais du coup, elle a vraiment du mal à se canaliser. Et elle est vraiment bah, dans ce jeu-là, dans cette approche, mais brusque. Vraiment dans cette approche brusque et... Donc ça va être vraiment ça, les points principaux de ma petite Laika. Alors Laika, c'est un berger malinois qui va avoir bientôt 6 mois. C'est bien ça. Pourquoi un malinois? Alors en fait, je me suis porté sur cette race-là parce que voilà, c'est un chien qui, pour moi, concentre pas mal de qualités. Chaque chien en fait a une qualité précise ou plusieurs qualités, mais c'est vrai que le malinois, pour moi, il regroupe vraiment beaucoup de qualités. C'est un chien qui est polyvalent. Je pense qu'il faut pouvoir connaître parfaitement ce chien-là et pouvoir le comprendre pour pouvoir en faire vraiment un bon chien et un chien qui va vraiment être intéressant et avec lequel tu vas pouvoir vraiment kiffer toute ta vie. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas un petit gabarit, c'est pas un chien de canapé, c'est pas ce que je voulais non plus. Je pense que voilà, promener son chien, il faut que ça soit un kiff, il faut que ça soit vraiment un kiff. Le soir, bah, t'es là, tu t'amuses avec elle. Faut pas que ça soit voilà, juste tu fais son petit pipi, son petit caca. Pour moi, c'était pas ça l'objectif. Et voilà, je suis aussi un peu de nature. À bouger beaucoup, je m'arrête pas forcément et je pense que voilà, c'est un chien qui me correspond. D'accord. Tout simplement. Et j'en suis venu à tomber sur ta chaîne. Et si tu veux, en fait, je suis tombé sur tes premières vidéos avec des reportages qui duraient 45 minutes, 1 heure, où je voyais que tu gérais pas mal de situations compliquées. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis pas forcément dans ce genre de situation. Et j'ai vu en fait que tu te fixais pas forcément que sur du chien agressif, que sur du chien craintif. Tu étais vraiment sur différents types de chiens, différents types de problèmes, et c'est ça qui m'a intéressé parce que je me suis dit bon, il est polyvalent, il connaît le malinois, il travaille pas que sur du malinois, il travaille également sur d'autres races, parce que c'est vrai que c'est rassurant de se dire ok, le bonhomme il sait ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait aussi pas que avec du malinois. Et toi, j'ai vu que tu avais bah, cette passion là, tu avais ce kiff là, tu parlais bah, de tes chiens, voilà, t'étais vraiment dans le t'étais vraiment à fond, voilà, c'est vraiment, t'aimes ça, ça se voit que t'aimes ça, ça se voit que tu vis pour ça. Et ça fait plaisir de parler avec un passionné et c'est plus rassurant. Moi, voilà, je suis quelqu'un de super terre à terre. Tu sais ce qu'il en est. J'ai besoin de voir pour croire. C'est vrai que j'ai vu des témoignages, beaucoup de témoignages. Mais voilà, je me base, oui, sur les témoignages, mais on va dire que ça confirme 40% de ce que je pense réellement. J'attends de compléter les 60% parce que je vais voir moi. Parce que c'est bien beau de voir, c'est bien beau d'entendre, mais tant qu'on ne l'a pas vu... On peut pas forcément, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne malheureusement ou... Depuis le début d'ailleurs. Depuis le début, c'est vrai. Non mais c'est vrai que j'attends de voir avec impatience, je suis curieux de voir, je suis curieux de voir le résultat, de voir un peu si effectivement c'est comme sur les vidéos, comment elle va fonctionner, parce que voilà, chaque personne est différente, comme chaque chien est différent. Donc du coup, c'est pas facile, c'est pas Dexy, elle peut gérer tous les chiens, non. Je sais qu'il y a des chiens qui vont être plus compliqués que d'autres, qui a peut-être... cerner plus facilement que d'autres et c'est là où je veux voir comment ça va fonctionner tout simplement. À la thérapeute. C'est parti, le docteur.
spécialisé que tu verras effectivement ton chien va se comporter différemment. J'ai hâte de voir ça. Je vais voir. Habituellement, elle met les patounes quand il y a d'autres chiens, elle s'amuse. Elle met les grosses patounes sur le visage, elle saute, elle est pas douce parce qu'elle veut s'amuser, elle veut jouer, elle veut vraiment kiffer. Elle est dans le truc, elle est un peu brusque. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir si effectivement Dexie va réussir à cerner le personnage et si elle va réussir justement à la canaliser. On va voir. C'est parti. C'est parti. Et jamais j'ai vu ça, des poils hérissés comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on enlève la veste? Dis à papa. Ok, allez, c'est bon. On voit que Dexie, en fait, elle analyse beaucoup, elle laisse des temps de pause, elle repart dessus, elle relaisse des temps de pause, enfin, elle reste pas fixée, entre guillemets, sur le problème. Elle repart un peu à droite à gauche, elle voit aussi les odeurs, elle revient. Ma chienne, bah voilà, elle a commencé à mettre une petite patoune sur le visage pour jouer. Boum, tout de suite, Dexie a grogné. Alors, calme-toi, détends-toi, c'est pas comme ça qu'on approche.
conclusion de la journée. Je croyais avoir un chien facile. Enfin, je croyais que il y avait juste 2-3 petits points à régler. Et en fait, je me rends compte que au final, il y a plus de travail que prévu et que c'est bien plus compliqué que prévu. Donc voilà, moi qui croyais qu'il n'y avait pas forcément de travail à faire sur ma chaîne ou très peu de travail, au final, j'ai été faux sur toute la route. Hein. Comme on dit, je parle pas le langage chien, on se comprend. Maintenant, va les comprendre, va essayer de les cerner. Il n'y a qu'eux qui arrivent entre guillemets à se comprendre rapidement et mais c'est vrai que c'est plutôt positif et j'attends avec impatience demain. En tout cas, bon travail de la part de Dexy. Elle a su la recadrer quand il fallait. Je pense qu'elle a pris une petite claque, même une grosse claque sur la figure. Elle s'attendait pas forcément à ça. Elle était pas forcément habituée à des chiens comme Dexy. Hein. C'est vrai que Dexy, ça reste une chaîne exceptionnelle, une chaîne différente et qui va pas forcément, voilà, c'est pas comme d'autres chiens où elle va arriver, elle va jouer, elle va s'amuser. Non, elle va lui apprendre entre guillemets les bonnes bases, le respect, des bases solides et ça se voit que ces bases, elle les avait pas. Ça se voit pertinemment qu'elle les avait pas. J'étais sceptique, elle m'intrigue toujours autant. Je me suis fait ma petite image sur Dexy. Elle m'intrigue toujours autant. J'étais sceptique parce que tu me dis Dexy, thérapeute. Ok, thérapeute, je veux voir. Effectivement, ça se voit qu'elle a vu différents types de chiens, qu'elle a pu cerner différents types de personnalités. Et je pense qu'elle a vraiment ça. Et je pense que la petite Dexy, au final, c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle est. Enfin, elle le savait sans le savoir, c'est toi qui as réussi à lui faire ressortir ce petit côté docteur-thérapeute. Tu nous as bien surpris. Bonjour, bonjour. Comment va? Tu vas bien ou quoi? Ça va et toi? Bonjour toi. Excellent. Tu nous as bien surpris. En fait je m'y attendais pas. On était là, je la baladais un petit peu, elle reniflait. Et Dexy Gun qui débarque, bam, fond de balle. Et du coup l'écart un peu en retrait. Mais rien à voir par rapport à hier où regarde ce qu'elles sont en train de faire. Voilà, elles sont en train de jouer. Et là, tu les vois. Par contre, Dexy bien plus proche que Gun. Gun un peu plus en retrait. Dexy bien plus sur Leica. Génial. Gun, mal éduqué, mal élevé, mais j'étais sur le cul. Franchement, elle a une patate. C'est un avion de chasse. C'est pas une Ferrari, Gun. C'est un avion de chasse. Pourtant elle a fait une portée, je me suis dit à chaque fois qu'il fait une portée, peut-être que c'est un peu plus calme. Non, Gun c'est un avion de chasse, elle s'arrête jamais. Un gabarit un peu plus petit que sa fille Dexy, mais elle s'arrête pas. Limite j'ai l'impression qu'elle est plus vive que Dexy. Et elle part là, et elle part là, et elle demande, et elle veut jouer, et elle est contentée. Et c'est ça, et en fait c'est dans sa tête, c'est le jeu, c'est l'éclat total, c'est le kiff, et elle va dans tous les sens, et j'étais vraiment sur le cul. J'étais sur le cul et tu voyais qu'elle demandait que ça et tu l'arrêtais, tu disais allez vas-y, va sur le muret. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte d'aller sur le muret? Et je vois qu'elle part à 50 mètres, elle saute sur le muret. Tu lui parles pas à ce moment-là, donc j'ai bien observé ton regard, j'ai observé tes gestes. Tu lui parles pas, tu lui fais juste le signe de s'asseoir. Elle s'assoit à ce moment-là. Je me suis dit, elle est tellement dans le jeu, je me suis dit, elle est tellement excitée qu'elle va pas rester sur place, elle va sauter, elle va revenir. Non, elle a attendu que tu lui dises de venir. Juste génial, elle faisait ce que tu lui disais, elle partait dans tous les sens, mais tout en suivant une bonne ligne de conduite, c'était juste excellent. Et c'est des petites bouilles attachantes et même Dexy, magnifique. C'est vrai que, regarde, tu vois sa petite bouille. Voilà. Non, franchement, t'as deux superbes chiennes. Et tu les as bien éduquées, c'est pas une éducation militaire, c'est pas une éducation comme ci, comme ça. Tu vois qu'elles sont heureuses, qu'elles sont contentes, qu'elles respectent également ce que tu dis. Donc c'est que c'est pas forcé, hein. C'est pas une éducation où tu fais ça et à un moment donné, demain tu prends un enfant, tu éduques comme ça. À force, à 14 ans, il va te faire des trucs mais derrière ton dos, il va pas t'écouter, il n'y a aucun intérêt. Elle, hier tu lui as dit de rentrer, elles avaient juste la tête dehors mais elles sortaient pas. Hein. Tu les as dit très... Non, c'est juste génial. Il y a une voiture qui a traversé comme une dingue. Les deux chiennes, elles n'ont pas bougé. Heureusement que j'avais la mienne attachée. Parce que je pense qu'elle aurait pu partir, mais les deux chiennes, elles sont restées assises. Elles ont attendu. Génial. Elles sont épanouies. Ça se voit qu'elles sont bien dans leur peau. Elles sont épanouies. Elles sont contentes. Elles sont heureuses. C'est plus important. Je pense que pour arriver à ce travail-là
c'est qu'elles sont bien dans sa tête, sinon tu pourrais, sinon tu, ça aurait pas été possible. Merde. Elle ne faisait pas ça hier, les deux. Non, non, franchement, la journée d'hier positive, je te cache pas que j'étais vraiment fatigué aussi. J'étais bien lessivé. Et du coup, aujourd'hui, je pense que ça va être une journée très enrichissante également. C'était pas simple, vraiment pas simple. Moi qui croyais que ça allait être plus facile qu'avec d'autres vidéos que tu as pu poster, je me suis complètement trompé. Je dis pas ça pour te faire plaisir ou pour te faire de la pub ou autre, je pense que t'en as pas besoin. On voit tes vidéos, on sait de quoi t'es capable, t'as pas besoin de personnes qui soient là. On n'est pas sur un journal, ah là là, c'est fini ça. Mais franchement, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de simple, facile. Je me suis dit, bon, elle me dit deux journées, ah, peut-être une journée et demie, c'est bon, c'est terminé, ah, ça va être court. De toute façon, ma chaîne, y a pas de souci. Au final, on a dû tout reprendre depuis le début. Et heureusement que je suis venu maintenant. Tu t'imagines, je serais venu dans 6 mois, 1 an? Est-ce que tu t'imagines? Aussi, quelque chose que j'avais pas dit hier, moi, ce qui m'embêtait aussi, c'est le fait que t'es avec un chiot qui a 6 mois, qui a quand même une. C'est, ça reste un chiot, mais ça a quand même de la force, ça a quand même une prestance, ça a quand même. Voilà, tu sens que si elle veut tirer sur ses pattes, elle tire énormément. Et j'avais souvent l'impression de pas forcément contrôler mon chien. Et c'est un peu honteux. Je m'en fous du regard des autres, c'est pas ça le plus important, moi c'est ce que je ressens, mais c'est quand même honteux de se dire que t'as un chien et que tu ne contrôles pas ton chien. Et t'es là, t'es dans la rue ou t'es avec tes voisins et ta chienne saute sur les voisins et tu te dis dans ta tête, putain, mais tu contrôles pas ton chien. Il a 6 mois. Comment ça va se passer avec les autres personnes quand elle va faire le double de ça? Quand elle va faire 30-35 kilos, ça va se passer comment? T'es là, si tu ne maîtrises pas ton chien maintenant, c'est quoi? C'est quoi la solution? Tu fais quoi? Si les gens ils ressentent que toi, tu n'es pas capable de gérer ton chien, parce que moi, c'est ça, elle sautait beaucoup, comme je te disais, mais c'est, elle n'était pas agressive, c'est parce qu'elle est dans le jeu, mais elle est brutale. Et du coup, elle sautait, et je te dis, arrêtez, j'ai pensé, je me suis dit, bon, je vais prendre un collier semi-étrangleur. J'ai vu tes vidéos et tu disais non, et que tu n'étais pas pour ça. Mais dans ma tête, j'étais tellement à bout, enfin, je trouvais pas la solution. Elle marchait dans la rue, elle tirait. Les cas stop, assis, elle s'asseyait, je fais doucement, on y va doucement. Mais le doucement, c'est comme si elle me disait « fuck », je m'en fous, « fuck ton doucement ». Et moi, j'étais là, les cas, on avançait et elle retirait. Oui, tu quémandes, oui, t'as envie. Assis, assis. Oui, bravo, ma belle. Assis, allez. Non, franchement, je suis vraiment satisfait. Elle a vraiment de, wow. vraiment de belles compétences. Et je pense que c'est rare pour une chienne aussi jeune. Hein. Elle n'a pas 5-6 ans, la chienne. Hein. Tiens, elle passe sous moi, voilà. Dexy, sous. Non. Non, sous, Dexy, sous. Bravo, ma belle. Assis. Leïka, tu me le fais ou pas, ça? Non, franchement, tu as vraiment une très belle chienne. Au-delà du physique, elle est très intelligente, elle capte beaucoup de choses. Je pense que, c'est comme on disait, hein, Malinois, c'est une Ferrari, il faut juste savoir l'utiliser, il faut juste connaître, comprendre, communiquer avec son chien. Et aujourd'hui, je pense que tu as fait un très très bon boulot qui est loin d'être terminé. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu expérimentes toujours de nouvelles choses avec tes deux chiennes. Mais elle est vraiment remplie de qualité. Et c'est une vraie Ferrari, cette chienne-là. On a l'avion de chasse, on a la Ferrari. Sous, bravo. Attention, sous. Elle a des bonnes dents, hein. Allez. Elle a des bonnes dents. Ouais. Hé, hey, t'as dit quoi? Il t'a dit sous. Ouais, ma belle, attention. Allez, marche, on y va. Doucement, bravo. Ce qui est excellent, c'est que je suis en train de donner tes ordres. Elle me connaît que depuis hier, hein, donc elle me connaît pas réellement, mais elle le fait. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une chienne polyvalente. Demain, tu peux dire à quelqu'un d'autre qui... c'est la première fois que je la voyais, enfin je l'ai vue pour la première fois hier, et elle le fait. Elle est tellement dans l'amusement, dans le jeu, et dans sa tête, voilà, c'est ça qui l'a fait kiffer, et elle aime ça, qu'elle va le faire alors qu'elle me connaît pas. Et pourtant, elle le fait très bien, et elle le fait pas sous la contrainte. C'est génial, c'est génial.
C'est pas, il n'y a que toi, c'est toi son maître. Oui, c'est toi son maître, c'est toi qui lui as inculqué les bonnes choses. Mais bah, elle est tellement dans le jeu qu'elle le fait aussi avec d'autres personnes, elle n'est pas du tout violente. Moi, le truc, c'est que ça devenait en fait trop systématique pour lui donner des ordres. J'étais rentré dans un mécanisme où, ouais, bah, au début, quand je lui donnais des ordres, c'était avec la friandise parce que c'était la solution, entre guillemets, la plus simple. Et ça devenait trop systématique. Ça devenait en fait, tu vas t'asseoir et bah, elle va le faire directement. Dès qu'elle va voir que je vais sortir, entre guillemets, bah, peut-être le petit paquet de friandises. Et bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'avant même que je lui donne un ordre, elle va s'asseoir, se coucher. Ou des fois, je vais juste un peu parler, bam, elle va se mettre sur le dos. Ça devenait tellement systématique et pas logique en fait, c'était incohérent. Et là, ce qu'on a fait, ce que tu as fait, c'est que tu as essayé de remettre les bases à zéro, tu as essayé de reformer les fondations, enfin, tu as tout démoli, tu es reparti sur de bonnes bases. Et là, bah, petit à petit, en l'espace de 15 minutes, elle a su effectivement comprendre. C'est vrai que ce que tu m'as montré tout à l'heure, j'étais loin de penser effectivement que c'était un exercice aussi complet. Pour être sincère avec toi, tu as pris le temps de bien m'expliquer, de me montrer plusieurs façons de faire, plusieurs détails, plusieurs situations. Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'une marche en laisse, c'est tout simplement attacher sa chienne, allez, on y va. Non, tire pas doucement. Non, c'est pas ça. J'étais étonné de la complexité de l'exercice. Voilà. Pour tout te dire, je pensais que c'était bien plus simple que ça. Vraiment. Je me rends compte que là, tu m'as donné les bonnes bases. Tu m'as donné les bases, tu m'as donné les moyens. Donc maintenant, c'est quelque chose que je vais devoir travailler avec ma chienne tout au long des prochaines semaines, des prochains mois. C'est vraiment complet. C'est pas à prendre à la légère. Ouais, c'est ce que je te disais que putain, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais sur le cul, je te disais putain, mais c'est pas écrit ça. Tu m'as dit bah ouais, bah bonhomme, la méthode Gun comme ça, c'est pas écrit. Je t'ai fait ouais, bah je croyais que c'était. Enfin, c'est vrai que c'est pas voilà. 1, c'est comme ça. 2, c'est comme ça. 3, non, on n'est pas sur un PowerPoint qu'on déballe en cours avec les diapos qui passent. Non, c'est pas comme ça. Il faut aussi connaître son chien. Il faut comprendre son chien parce qu'il ne va pas forcément fonctionner de la même manière qu'un autre chien. Il ne va pas penser de la même manière qu'un autre chien. C'est un exercice complet. C'est complet, c'est intéressant. C'est vraiment super intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai hâte de refaire dès que je vais te dire au revoir, de commencer à voir un peu ce qu'il en est. Tout simplement. Elle est où la petite écart? Allez, vas-y, vas-y. Voilà, bon, ça va être compliqué avec les deux. Doucement, doucement, Dixie. Ouais, bravo. Tiens. Toujours partant pour le jeu, hein. Il faut toujours partant, hein. Écart, c'est quoi ça? Viens, écart, viens. Viens, écart, viens. Ok. Ouais, bravo. Allez. Tiens, c'est bien ma belle. Tiens. Ah ouais. Donne. C'est bien. Tiens. Allez. Oh. Ça me fait des filles. Les cas. Allez. Ouais, les deux ils sont là sur moi, ils prennent toute attention à deux pas. Hein? Eka. Allez. Eka. Ok. Allez, mais c'est bien. Allez, Dexy, tire. Donne. Dexy, gun. Excuse-moi, je vais faire. Gun. Mort. Ouais. Tire, allez, tire. Bravo, tire. Donne. Donne. Gun. Mort. Lâche. Bravo. Les quatre. Vas-y.
Lâche. Bravo. Moi en fait j'étais un peu, je me suis rendu compte aujourd'hui, j'étais un peu déçu parce que c'est vrai que tu rencontres pas mal de conseils, pas mal d'infos. D'ailleurs moi les choses que j'ai su lui apprendre avec le assis couché et le panté mort, c'était sur des comportementalistes de chiens mais qui faisaient ça avec de la croquette. Alors, moi comme un idiot, bah, avec de la friandise. Moi comme un idiot je le faisais également mais au final c'est quoi? Au final c'est quoi? Elle reproduisait un... mécaniquement elle le faisait toute seule parce qu'elle savait qu'après il y avait le jeu. Donc toute seule elle le faisait, donc au final... C'est bien beau d'avoir des conseils, mais c'est bien beau de voir des choses sur internet, mais voilà, si vous voyez des vidéos où on donne déjà de la friandise, bon déjà c'est que tu pars dans un mauvais. C'est que tu pars déjà droit dans le mur. Tu fonces droit dans le mur à ce moment-là. Alors résultat positif, plus que positif, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Pour être sincère avec vous, je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Je partais pour moi pour une base, enfin sur une base qui n'était pas dégueulasse, une base qui était plutôt saine, mais en fait au final je m'étais trompé sur toute la ligne. Je me rends compte qu'au final c'est bien beau de lire des choses, c'est bien beau d'essayer de mettre en pratique certaines choses, mais quand on n'a pas forcément les bons conseils ou qu'on se base sur des conseils qui sont donnés comme ça sur internet, qui ne sont pas personnalisés, bah du coup on fonce droit dans un mur. Aujourd'hui tu as su m'apprendre effectivement la théorie et la pratique sur ma chienne. Donc voilà, c'est bien beau effectivement de faire des assis, couchés, recul comme ça, voilà, de faire ce genre de choses avec de la friandise, avec des ordres, enfin avec des choses que tu vas mettre en place qui vont être complètement nulles parce que du coup c'est pas personnalisé, parce que tu fais la même chose avec tous les chiens. Non. Aujourd'hui, voilà, tu as pu me faire comprendre certaines choses, tu as pu me faire comprendre à connaître mon chien, à le comprendre mieux également. Je vois qu'elle se sent mieux dans sa tête, qu'elle est mieux dans ses pattes. Je ne dis pas qu'elle était malheureuse, hein, loin de là. Je voyais qu'elle était quand même heureuse, mais heureuse, trop dispersée, comme quand tu as effectivement demain un enfant qui est un peu pourri gâté. C'est un peu ce qu'il en était, malgré qu'elle ne montait pas sur le canapé ni sur le lit. Enfin, voilà, je lui autorisais pas à faire ça, mais elle était pourri gâtée parce que... tout ce que je faisais, je le faisais pas à bon escient, je le faisais pas dans les règles de l'art, je le faisais pas avec les bonnes manières. Donc voilà, j'ai pu effectivement au bout de ces deux jours comprendre mieux ma chienne, la sentir également plus joyeuse, plus heureuse et je t'en remercie. Et merci également au travail de la part de Dixie parce qu'elle a fait un gros travail sur elle, ça n'a pas été simple. C'est ça, fin de la deuxième journée. Journée éprouvante, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, épuisant, fatigant, que du bon, que du positif. Voilà, j'attends avec impatience les prochains jours. J'attends avec impatience de pouvoir mettre en place tout ce qui a été expliqué, tout ce qui a été dit. Et je vous souhaite vivement, et je vous conseille vraiment de, si vous avez des doutes, de faire appel au maître de Gun. Pour que justement toutes vos questions soient, enfin tous les flous que vous avez, tous les brouillons, tout ce qui est resté sans réponse, bah pour que justement le maître de Gun vous apporte toutes les réponses possibles. Donc n'hésitez pas, un message Facebook, voilà, vous lui envoyez un message, vous lui dites ce qu'il en est. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des doutes ou des questions à aller vers lui. Et voilà, tout n'est pas dans les vidéos, hein, ce que vous voyez dans les vidéos, c'est vrai que ça reste un dixième de ce qu'il en est. Ça qui est bien aussi, c'est que si on aurait tout dans la vidéo, on prendrait même pas contact avec toi. Donc du coup, ça reste intriguant. On veut voir au-delà, on veut voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est très intéressant et c'est génial. Bonne soirée à tous et à toutes, bien sûr. J'ai écouté l'autre qui m'a dit ça. Merde. Non, mais je pensais que c'était le maître de Gun, mais en fait c'est un élève. Non mais je dis ça, mais tu vois, pourtant je te jure que c'est vrai, hein, moi ma chienne, je sais que si je vais aller là-bas, elle va me suivre. C'est ça qui... ouais. Ils sont super proches du maître, c'est fou. T'as vu, elle m'a surprise, hein. Et j'étais avec le nœud, elle m'a surprise, je voulais dire de tirer. En fait, je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de force. Elle m'a arraché le nœud des mains. Et bah alors. C'est excellent. C'est ça. Mike, c'est ça. À l'américaine. Où est ce fameux... Ah. Me dis pas que c'est celui-ci. Si, c'est bien celui-là. Arrête tes bêtises, voir. Arrête tes bêtises. Mais t'es pas sérieux. C'est celui-là. Ouais. Et moi, hier, bah, quand je suis venu chercher, je me suis dit, mais où est-ce qu'il fait les vidéos de l'arbre?
Et j'étais comme un con, mais et il est où le plus petit arbre qu'il y a ici? Tu sais, je cherchais le petit gabarit tordu, je le voyais pas. C'est celui-ci. Ok. Ça, bon, c'est bon, c'est bon. Je suis d'accord. Je pense qu'il est capable de le refaire. Bonsoir. Bonsoir par rapport à hier, parce qu'il fait un grand jour là. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas tort. Un best-of, c'est ça? Il aurait fallu mettre des chutes ou des trucs comme ça. Ah là là. Moi je parle anglais. Tu parles anglais? Bah ouais. Vas-y, donc tu commences, ok? Ok. Vas-y. Hello. Hi guys, my name is Michael. Ah là, justement j'ai te posé la question. Ah putain, ah oui, j'ai capté, merde. Ah oui, tu poses des questions, ok? Voilà. Vas-y. Oh, hello, Michael. Hi guys. On commence. Hello Michael, what's your name? Reprenons. Ouais, tu te décides. Oh là là, tu bouges. Oh là là, on va reprendre, ok? So, hi guys. What's your name? My name is Michael. Ok. Ah, t'as eu un trou de mémoire, qu'est-ce que je lui dis? Oh là là. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? Estoy muy bien, entonces yo estoy aquí con mi amigo José, Joseph, José, okay. Y con Gun y Leica también, Gun y Dexi también, perdona. Estoy aquí porque tenía algunos problemas con mi dog, c'est ça. Algunos cuando visionan las videos en tu página Facebook o en YouTube, no es la misma cosa, porque tú puedes ver las cosas por en YouTube, por las videos, pero tú tienes que llegar aquí, hablar contigo, ver Dexi, ver Gun, para comprender, para aprender también, es muy importante. Excellent. En portugais maintenant? Então, estou aqui com o meu amigo José e com a cadela dela, a Dexi e a Gun. Também estou aqui com a minha cadela Leica. Tive um contacto contigo há 2 semanas atrás porque tinha alguns problemas com a minha cadela. Não é uma cadela que é agressiva, nada, não tem nada a ver com isso, nem é violenta, mas ela ainda é um bebê e está sempre com as patas por cima das pessoas, tem sempre essa coisa, não consegue canalizar, está sempre cheio de energia e não consegue fazer a parte das coisas. Então tive um contacto contigo e estou contigo desde ontem e estou muito satisfeito do trabalho que tu e a Dexi fizeram com a minha cadela. Eu já notei desde ontem que houve um bom trabalho e agora temos que continuar esse trabalho durante os próximos dias. Voilà. De violon de la truelle. C'est pas violon la truelle. La truelle, non, c'est pas très violon, ça dépend après, ça dépend. Sympa. T'es vraiment quelqu'un de patient, tu connais vraiment ce que tu fais. Comme je t'ai dit, au-delà d'être passionné, t'es dans le game. T'es dans le game, tu m'as pas sorti ton CV, ouais, j'ai 5 années de comportementaliste. Tu m'as pas sorti ça, tu vois. Rien à foutre de tout ça. C'est vrai, hein. C'est... T'as appris par toi-même, en fait. Et ça, c'est plus enrichissant que toutes les autres choses. T'as appris les choses par toi-même et tu sais de quoi tu parles, tu vois. C'est comme si demain, t'as un mec qui sort d'un master, qui va te parler de partie théorie, mais il connaît rien à la pratique, bah toi au final, tu connais tout et tu l'as pris par toi-même, donc c'est là où c'est encore plus ouf. Franchement, merci mon pote, ça fait plaisir. Merci toi, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Thanks guys for watching us. See you later in Gun Dog TV. Voilà. En gros, merci de nous avoir vus. Je vous revois très bientôt sur la chaîne Gun Dog TV. Ah, Dexi, c'est sympa. Voilà, ça arrête jamais, ouais. Sit down, please. Sit down, please. Perfect. Good girl, yeah, good girl, perfect.